Daniel Bumba, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, a été reçu ce vendredi 9 août 2024 par le chef d'état-major général de FARDC au grand quartier général des forces armées situé au camp lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa, accompagné de son directeur de cabinet adjoint et du directeur général d'Askin. Il est venu solliciter du général d'armée Thio et Songesa Christian l'accompagnement des FARDC dans la gestion de l'opération coup de poing destinée à l'assainissement de la ville de Kinshasa. Bon, cette démarche était une séance de travail, premièrement pour que nous fassions de civilité mutuelle et de félicitations avec Bernard Chiroé, que je connais depuis bien longtemps. Mais également, c'était pour venir demander l'accompagnement de l'armée dans les opérations que nous allons mener sur la ville de Kinshasa. Vous comprenez que Kinshasa aujourd'hui est dans le chaos. Alors nous pensons que l'accompagnement de l'armée est nécessaire à ce stade. Nous savons tous que dans les grandes missions de l'armée, en temps de paix, il a la main d'œuvre adéquate pour pouvoir nous accompagner dans la réalisation de certaines choses attendues. Et là, c'était justement pour épingler la grande opération coup de poing que nous allons mener, qui consiste justement à curer nos rivières, nettoyer Kinshasa, désensabler. Aujourd'hui, Kinshasa a plus de 3 420 000 tonnes de déchets, raison pour laquelle nous sollicitons l'armée en vue de nous accompagner par ses corps. Génie militaire, le service national, tout autre corps pourra nous aider à aller de l'avant. Il y a des questions de l'assainissement, des questions de l'embouteillage, des questions de l'encadrement, la réinsertion de la jeunesse, délinquance. Par ailleurs, le premier citoyen de la ville de Kinshasa s'est dit satisfait au sortir de la rencontre, car l'armée est disposée à l'accompagner afin de revêtir la capitale congolaise de sa plus belle robe. Et nous sommes très contents parce que l'armée est très favorable et nous envisageons d'ailleurs plus loin, comme ça s'est fait dans tout d'autres où l'armée accompagne pour pouvoir établir des protocoles d'accord et voir aussi dans quelle mesure du possible si le gouvernement central peut nous accompagner pour pouvoir élever cette ville qui est quand même le miroir de ce pays. Voilà. Signalons que d'autres décisions ont été également abordées au cours de cette rencontre, notamment l'accompagnement de l'armée dans la régulation de la circulation routière et la formation des Kuluna par les services nationaux. Merci beaucoup. Pendant qu'il pleuvait sur la ville de Bougna, ce samedi matin, des cris de joie couplés aux applaudissements et encouragements ont accompagné le gouverneur militaire de l'Ituri. C'est tout précisément du quartier Bankoko jusqu'à Tchéré. Ici, jeunes, femmes et enfants ont poussé des cris. Dans sa découverte de coins et recoins de la ville de Bougna, chef-lieu de la province de l'Ituri, le commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shomajuni, a parcouru plus de 24 km du nord à l'est où il s'est rencontré avec ses fidèles musulmans. Ses fidèles ont imploré à Allah une longue vie en faveur de celui que les Ituriens appellent affectueusement Viena Bissou. De télévision nationale. C'est pourquoi tu m'appelles au moins au Mali cette mission. Merci et ma maman musulmane qui m'a accompagné. Bisous à gouverneur et à province. Mandelin, tu m'appelles. Tant que la moulatoitia qui mène chez Nguyen dans Yamungine et tout. Sous cette pluie durant sa traditionnelle marche pédestre, le commandant des opérations a eu droit aux honneurs militaires en aller tout comme au retour de la part de militaires affectés au poste d'observation et du bataillon PEM jusqu'au secteur opérationnel de l'Ituri. Les journalistes du territoire de Dungu, Faraj et Wacha, sous la conduite du capitaine Yuma Kinshambajili, porte-parole du secteur opérationnel Ouélé, ont fait une virée d'itinérance à 18 km de l'agglomération de Aba, au territoire de Faraj, dans la province de Oti-Ouélé. Le but de cette descente était de se rendre compte de la situation sécuritaire de cette partie de la République, afin de mettre fin à la spéculation d'une prétendue incursion de l'armée du Sud-Soudan dans les médias tant national qu'international. Comme l'on peut le constater,
La population va librement à ses occupations. Les bureaux étatiques fonctionnent comme il se doit et les militaires de la 4e compagnie du bataillon des forces d'intervention régionale du secteur opérationnel Ouélé des forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent la situation. Le capitaine Ngoï Kabange Joseph, commandant en second de la 4e compagnie, explique. Nazali awa pona mosala na yeli awa pona kokengela ndelo na mabele na ngai na territoire na biloko nango na ba population baza na kati bosenga to yeli nango comme mission na biso yango wana et puis tozana serment wezo yebi sa biso ke ne jamais trahir le Congo toko sécuriser ngo lolenge motindo ya likolo ezo kitela biso lolenge toko sécuriser frontière na biso. Contacté à ce sujet, M. Lokoudou, chef de la chefferie Kakwa-Ima, a expliqué que la cohabitation est pacifique avec leurs frères du Sud-Soudan. Avec nos frères sud-soudanais, nous avons une relation basée sur la cohabitation pacifique. Pourquoi? Parce que c'est pour la 6e vague que nous puissions recevoir la population sud-soudanaise, compte tenu des réalités insécuritaires qui se passent chez eux là-bas, chaque fois qu'ils se trouvent dans des situations pareilles, ils trouvent toujours refuge chez nous, dans la chefferie de Kakwa-Ima. Et c'est dans ce cas, ensemble avec les humanitaires, à savoir le HCR et ses partenaires, nous sommes en train d'entretenir une relation de cohabitation pacifique. La situation reste relativement calme dans cette zone qui est sous contrôle du secteur opérationnel Ouélé, commandé par le général-major Moukala Ngoï François. Toujours après leur prise en charge appropriée à l'extérieur du pays. 20 blessés de guerre guéris sur un total de 30 sont de retour au pays. Le 10 autres non encore en possession de la plénitude de leur faculté poursuivent encore le soin. À leur descente de l'avion, quelques-uns ont livré leurs impressions et exprimé leur profonde gratitude au président de la République pour avoir permis cette prise en charge efficace. Merci mille fois, président. Nous remercions le chef de l'État pour ses gestes hautement vitaux et paternels. Grâce à lui, nous avons retrouvé notre santé. Que nos frères d'armes qui se battent au front ne s'inquiètent pas, qu'ils se battent avec détermination. La République leur sera redevable. Nous rentrons guéris et avons recouvert notre santé grâce à notre commandant suprême. Que Dieu le bénisse et lui accorde longue vie pour continuer à s'occuper du bien-être des militaires. Interrogé sur l'opportunité de ses soins à l'extérieur du pays, le colonel Lokoma Babongo Luc Daniel, commandant adjoint de l'hôpital militaire central en charge des études et techniques, s'explique. Nous sommes venus ce lundi accueillir 20 de nos éléments parmi les 30 qui sont partis lors de la deuxième vague en Inde pour les soins. Et selon la vision du chef de l'État, il a dit qu'il ne laissera pas nos vaillants soldats dans la souffrance et son assistance sera toujours soutenue, et tout comme tous les autres services aussi. Donc nous rassurons nos combattants d'avoir les esprits apaisés par rapport à la prise en charge médicale. La clôture de l'atelier des réflexions sur la mise en œuvre des principes de Vancouver pour prévenir les recrutements et l'utilisation d'enfants dans les conflits armés a eu lieu ce jeudi 8 août 2024 au Collège des hautes études de stratégie et de défense. Sylvie Omari, coordonnatrice de l'Institut d'Alert, a dans son mot des circonstances expliqué l'objectif du projet. Celui-ci consiste à la mise en œuvre des principes de Vancouver en Afrique subsaharienne et à établir une cartographie des principaux acteurs. Pour l'Institut d'Alert, l'AFA est au centre de la paix et de la sécurité. Je vais d'abord introduire l'Institut d'Alert, ce que nous faisons. Ce que l'Institut d'Alert fait, ce n'est pas une innovation, c'est un complément. Pourquoi un complément?
avant que l'Institut de l'air ne soit mis sur pied, il existait déjà un cadre juridique sur la protection de l'enfant. Le cadre légal de la protection de l'enfant, comme nous savons tous en RDC, nous avons une loi bien définie là-dessus, la loi numéro 9. Nous avons le service déjà démobilisation, désarmement, réintégration, et ravi d'avoir un représentant ici avec nous. Et l'Institut d'alerte est venu rajouter un complément à ce cadre qui existait déjà, à la réponse mondiale, c'est la réaction des acteurs du secteur de la sécurité. Ça, c'était la pièce qui était manquante. Et aujourd'hui, ravi d'être accompagné par le général Batambo ici présent et les GTTC, nous allons voir comment trouver des synergies, de travailler ensemble pour la mise en œuvre des principes de Vancouver que nous allons voir en détail, nous avons pour le travail. Au cours de ces assises, les membres du groupe de travail technique conjoint ont formulé des observations et des recommandations à l'endroit de l'Institut d'alerte. La clôture des travaux a été marquée par l'intervention de la coordonnatrice de l'Institut d'alerte. Celui-ci a remercié tous les membres du groupe de travail technique conjoint pour le travail de qualité abattu. L'ennemi de la République démocratique du Congo ne désarme pas. Au moment où notre République aspire à l'épanouissement de sa population, à développer son pays, à développer ses forces armées, c'est en ce moment que les ennemis de la République démocratique du Congo reviennent pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Face à cette menace mitante, il est tout à fait normal au niveau de l'armée, que nous puissions raviver les cœurs de tous les militaires, notamment les officiers, afin que chacun, dans sa zone de responsabilité, puisse arriver à mieux accomplir ses missions conformément aux règles du métier, en respectant les principes, les normes, ainsi que par l'incarnation des valeurs militaires. Vous savez que notre armée, les forces armées de la République démocratique du Congo, c'est une armée nationale. Cela veut dire c'est une armée au sein de laquelle on retrouve toutes les représentations des provinces. Alors, en qualité d'un officier, vous devez traiter les gens, les ressources humaines à toute impartialité. Vous ne pouvez pas être tribal. Vous ne pouvez pas avoir le favoritisme. Vous ne pouvez pas traiter des gens de manière inégal. Même dans la répartition des tâches au sein de l'unité, il faut avoir l'esprit de la justice. Il faut rendre à chacun son dû. Quelqu'un a droit à tel ou tel moyen qui sont mis à la disposition par l'État. Mais il doit en bénéficier. Les militaires ont des droits qui sont connus. Il ne faut pas priver les militaires de ces droits-là. Et donc, les militaires sont là pour toute la nation congolaise. Chacun a une tribu, il y a plus de 456 tribus dans notre pays. Appartenir à une tribu, oui. Mais le tribalisme, non. Nous, nous sommes là pour servir la nation tout entière. Même si on a un frère politicien, ce n'est pas un problème de parler avec lui, de se saluer. Mais lorsque ça devient le problème de la sécurité de la République, et là, il ne faut pas aller dévoiler les secrets militaires auprès de votre frère politicien. Il ne faut pas le faire. Si vous agissez ainsi, c'est de la trahison. Et lui, il a choisi de faire la politique. Et vous, vous avez choisi de faire l'armée. Voilà, que chacun reste dans ses spécificités. Parce qu'on n'a pas les mêmes responsabilités devant Dieu et devant la nation. Chacun a ses responsabilités. Et donc, les militaires doivent garder cette impartialité, cette neutralité, pour que la nation soit dans l'équilibre et pour que le monopole de la force dont disposent les forces militaires doivent être employés à bon escient et suivant les missions qui sont confiées aux militaires. Les armes qu'on met à la disposition des militaires, ce n'est pas pour maltraiter la population civile.
parce que c'est la population civile qui achète ces armes-là. Elle ne peut pas acheter les armes et puis commencer encore à se faire tuer par ces armes-là. Donc, un officier doit être impartial, net, doit éviter les antivaleurs qui peuvent nuire aux efforts du développement de la défense. Je vous ai cité les quelques antivaleurs, le népotisme, le tribalisme, parce que le tribalisme, ça tue. On ne doit pas commencer à regarder les gens par les têtes, cette tête se ressemble à ceci. Non, ce n'est pas ça. Un officier citoyen. Lui, il voit. Les officiers qui sont là, ce sont des militaires congolais, du moins qui ont été recrutés de manière légale. Les troupes qui sont là, ce sont des Congolais. Alors, il ne faut pas les discriminer. Il faut les traiter de manière équitable, avec un esprit de justice et les gérer en beau père de famille. Au travers de cette émission, ce qu'il faut retenir est que l'officier doit se comporter à la fois comme un parent vis-à-vis de ses enfants et vis-à-vis des ressources. Vous savez comment les parents se comportent. Il doit agir comme un prêtre pour montrer la bonne voie à ses hommes. Et il doit agir, si vous voulez, comme un prophète. Parce qu'un prophète, le véritable, peut déjà prédire pour dire tel ou tel deviendra un grand homme, surtout que s'il respecte les principes et les normes des forces armées. Ici, par cette émission, nous voudrions, c'est juste un rappel, face à la situation actuelle, caractérisée par des guerres à répétition par l'agresseur, nous voulons à ce que chaque officier puisse participer activement à relever les défis sécuritaires en ayant un comportement responsable et citoyen. Et avoir cette culture de redevabilité, avoir cet esprit de l'honneur, avoir cet esprit de sacrifice, avoir cet esprit de prendre les risques pour les intérêts supérieurs de la nation. Il faut prendre les risques, on est chef. Si on meurt, on va nous enterrer avec les honneurs. Moi, j'ai toujours dit, moi, le général Batabombi, si jamais je mourrais partout là où ma mort va m'attraper, que ma tête soit orientée vers le Parlement, parce qu'il faut mourir tout simplement pour une cause noble. C'est ça, c'est ce qui fait la valeur d'un officier digne, respecté, qui sait bien protéger son pays et les valeurs de la nation. Et c'est lui qui sait également, n'est-ce pas, contribuer au développement socio-économique et culturel tel qu'est prévu dans notre constitution. Un entretien sur les juridictions militaires et leurs compétences a été réalisé avec l'auditeur militaire supérieur de l'auditorat supérieur de Kinshasa Matete, le colonel Litagourou Jean. Au cours de cet entretien, l'auditeur supérieur militaire a expliqué le rôle des juridictions militaires et leurs compétences. Les juridictions militaires, pona batu baku kakoyoka yango bien, en général, ndenge batu balobaka, tribunal ya ba soda esika basambisaka ba soda ne juridiction yango wana et puis pembeni ya ba juridiction wana ezali na ba parquet oyo ezali rattaché na ba juridiction nyonso wana ya justice militaire na engumba na biso na mibeko na biso ya ba soda ba juridiction ezali to bandina no na ba tribunaux de police. Après le tribunal de police, il y a le tribunal militaire de garnison. Après le tribunal militaire de garnison, il y a la cour militaire. Après la cour militaire, il y a Soukissi et pas les soldats, les alliés haute cour militaire. Alors, chaque essambisé loana, il y a la compétence na yango. Oyo le tribunal de police a kogi ko sala garnison au salaté. Oyo garnison au sala cour au salaté. O cour au sala, autre cour au salaté. Donc mibeko ici et là ici déjà dans chaque juridiction, chaque essambisé loana ba compétence na yango. Na batonini oyo esengeli basamba liboso ya ba essambisé loana. Ba compétence ya ba juridiction militaire wana ezotala mingi pete ya ba soda na spécialement pona ba tribunal de police to ya peine ou ya etumbu
Mutu oyo asali mbeba yangonde ezo determine esambi selonini oyo bakoki kotinda mutu wana oyo abuki mibeko ya basoda. Toujours dans ses mêmes ordres d'idées, il a évoqué la situation à laquelle le Kulunga soit jugé dans des juridictions militaires selon le code pénal militaire dans son article 157 qui situe cette situation comme du terrorisme. Bakulunga bozomona bakomi ko sambisa bango na esambiselo ya basoda. Et puis eba makamba we bandai awa na matete. Tango nga na komi awa nde na lobino na tangi code na monike makambo oyo bakulunga bazo sala ezali prévu na code na biso basoda. Terrorisme prévu na article 157 na code pénal militaire na lobaki na mukuse kakake ba civil pe bakoki ko sambisa mana ba juridiction militaire ezana baka na lobaki mususu ke civil oyo asali infraction na munduki ya basoda, civil oyo atindiki soda ou policier asala eloko moko oyo esengeli te na musala soda pe na honneur ya musala soda ezali na ba infraction mususu na kati ya code na biso oyo balobike infraction oyo ozala civil ozala soda ozala policier soko osali yango esbongi kaka ba juge ya ba soda ne masambisa ne infraction ya terrorisme. Mais aussi à révéler les difficultés qu'il rencontre pendant l'escorte de ces Kulunga dû au manque de moyens de transport. Ba difficulté ezozangate neti siko yo tozo sala tozina na appui mon côté tozo travailler ka na cadre moko légal tozana ba difficulté mingi par exemple soki bobimi siko libanda bokomona au moins une cinquantaine ya ba Kulunga o baye donc tous les jours mutuka siko ya bien ya munene pona to bana o mema bango en toute sécurité parce que misusu tozo loué ba 207 to loué 207 ata moko mi balé tozo ken évasion et salema ki mingi na nzela ba 207 portier na ngweza la kekanga makate o mona ba pa nani ale ba kiti to connaître deux cas ya évasion. Donc, ce qui va quoi appuyer Ndenge Wana. L'aumônerie protestante de Fardessé a clôturé le vendredi 10 août 2024 sa campagne de prière de 40 jours organisée du 10 juillet au 2 août 2024 à Kinshasa. La cérémonie a été organisée au terrain de football du camp Badeding à Kinshasa. Le culte de clôture a été célébré en collaboration avec l'église La Compassion sous thème RDC, ta lumière arrive. Dans sa prédication, le pasteur Marcelo Tounazi, responsable de l'église La Compassion, s'est réjoui d'être invité à cette grande activité des FARDC. Il a stigmatisé l'amour de l'argent et exhorter le chef militaire à l'utilisation de l'argent mis à leur disposition au fonctionnement de l'armée. Et c'est extraordinaire que ce soit les militaires qui donnent ce thème « RDC, ta lumière arrive ». La lumière symbolise le salut, la délivrance, le développement. Lorsque l'homme de Dieu était en train de parler des conditions dans lesquelles vous viviez ici, c'est vaincre l'amour de l'argent, c'est vaincre la méchanceté, c'est vaincre la tendance à utiliser son arme contre la population. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ce qui a changé ce camp et qui est devenu ce qu'il est devenu, c'est l'amour de l'argent. Cette cupidité n'a pas été dans les airs, cette cupidité était dans des personnes. Lorsque les gens n'étaient pas cupides, tout allait bien. Lorsque la cupidité est venue, c'est alors que les ténèbres sont venues. Donc, l'homme peut amener la lumière, l'homme peut amener les ténèbres. On te donne $1 million pour le camp, tous les $1 million sont utilisés pour les camps, tu ne prends pas $500,000 que tu construis une maison avec. C'est ce qui va faire que le camp sera restauré
nous devons changer pour que le pays change. Pour sa part, le major Nengidi Ladiedoné, aumônier protestant en chef, s'est exprimé en ces termes. Je suis très satisfait de ce qui s'est passé aujourd'hui. Pourquoi nous avons choisi les thèmes de RDC, ta lumière arrive? C'est parce que nous savons pertinemment bien que notre pays est en guerre. Lorsqu'il y a la guerre, il n'y a pas de lumière. La guerre, c'est la mort. La guerre, c'est la destruction. La guerre, c'est beaucoup de mauvaises choses. Et surtout avec la guerre à l'Est, ça ne donne pas la paix dans notre pays. C'est pourquoi nous avons voulu associer Dieu dans tout ce que nous faisons, dans la prière, pour que nous puissions avoir la satisfaction ou l'arrêt définitif de la guerre. Nous avons choisi Marcelo parce que nous savons que Marcelo, c'est un patriote, quelqu'un qui prie Dieu pour cette nation. C'est pourquoi nous l'avons associé dans notre 40 jours de prière.